construire des modèles, bien c'est ce qu'on appelle parfois, juste pour comprendre, les modèles, généralement, ce ne sont pas des sont toujours. Et ces modèles-là, ils vont nous aider à, disons, prendre des actions dans le futur. Donc, ce qui est important, c'est que c'est une, disons, comme vous avez maintenant, ou bien comme j'ai déjà donc tapé dans le titre, ces machine learning pour les nuls ou bien pour les débutants, juste pour vous dire que c'est équivalent à l'être humain. L'être humain, il comprend ou bien il prend dans le futur des expériences dans le passé. Cette fois-ci, pour l'ordinateur, les expériences et les données qu'on va collecter. Et je vais maintenant vous donner quelques exemples avant de terminer cette courte vidéo. Par exemple, on peut, si vous avez par exemple une entreprise, et une entreprise avec normalement un ensemble de clients qui ont déjà acheté des produits ou bien des clients qui ont acheté un service. Et imaginons par exemple, chaque jour, on collecte des données sur ces clients-là. Leur nom, leur prénom, leur sexe, salaire, leur région, leur comportement, par exemple leur pouvoir d'achat, ainsi de suite. Avec le temps, on collecte beaucoup de données concernant la relation avec les clients. Avec le temps, on se trouve chaque jour, bien évidemment, c'est des enregistrements qu'on enregistre quotidiennement, on se trouve avec des millions, bien des milliers d'enregistrements en relation avec nos clients actuels. Et grâce à ces clients-là qu'on a actuellement, et grâce à des modèles, on peut construire des modèles, ou bien disons des modèles avec machine learning, pour, par exemple, chercher d'autres clients ou bien cibler des clients qui ont, par exemple, les mêmes caractéristiques avec les clients qu'on a actuellement. Et ce genre d'opération, il s'appelle, à titre d'exemple, les systèmes de recommandation qui permettent, par exemple, de faire de la prospection en se basant sur les données qu'on a actuellement. Et ça, généralement, on le fait avec machine learning. Et avec machine learning, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on peut par exemple produire, disons, des modèles pour savoir ou bien avoir une idée sur les futurs clients qui peuvent être intéressés par nos services ou bien par nos produits. Donc, donc machine learning, c'est on crée de l'intelligence à partir du passé pour prendre des décisions dans le futur. Et la question qui se pose, si je veux maîtriser ce domaine de machine learning, quelles sont les compétences qu'on aura normalement besoin? Le domaine, ou bien les ingénieurs, ou bien les cadres, ou bien les étudiants qui sont intéressés par le machine learning, c'est un domaine qui représente, ou bien qui présente l'intersection entre plusieurs, disons, domaines. Par exemple, les domaines ou les compétences, normalement, les étudiants doivent avoir des compétences en statistique, en mathématiques, en programmation. Pour devenir un ingénieur ou bien un cadre, c'est un domaine qui demande, disons, plusieurs compétences. Donc, bref, pour conclure cette vidéo courte, on peut dire que machine learning, c'est un sous-domaine d'abord de l'intelligence artificielle qui utilise des données dans le passé collectées à partir des logiciels ou à partir des réseaux sociaux. On collecte ces données, on les prépare, on les organise pour programmer des modèles ou bien construire ces modèles. Et grâce à ces modèles-là, d'entrée, le passé, on est collecté actuellement trop demandé et actuellement normalement les réponses qui sont demandées actuellement dans pas mal de domaines, le domaine bancaire, donc ce domaine actuellement qui intéresse aux problèmes, aux problématiques ou bien aux compétences ou bien aux bénéfices, pardon, du machine learning.
Merci de votre attention. Donc,